que je vous aime. Regardez, je commence à être saoule et je bégais. Et c'est absolument horrible parce que ce que je dis, je le pense réellement. Et je pourrais rester tout le temps avec vous. Tellement je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couille de mythe, d'un air sournois en pensant « Oui, ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurai. » Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui s'est baisée par n'importe qui s'est baisée n'importe comment n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui n'est pas une pute. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, que c'est une pute. Il n'y a pas de putain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas triste, hein? C'est super gay. Et je me fais baiser par n'importe qui. Et on me baise et je prends au pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul? Le sexe. Tu me baises bien, hein? Comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme ils peuvent croire, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. La chose amusante, quelle chose horrible et sordide, et putain, quelle chose sordide et horrible. Si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul. Me faire recloquer, ça me ferait chier un maximum. Alors j'ai un tampon dans le cul pour le faire enlever, pour le faire baiser, pour en faire un maximum. Pour m'exciter un maximum, rien à foutre. Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes que baiser c'est de la merde. Qu'il y a une seule chose très belle, c'est baiser parce qu'on s'aime tellement. Un couple qui n'a pas envie de faire un enfant n'est pas un couple, c'est une merde, n'importe quoi, c'est une poussière.